Eh bien, c'est de nous rappeler que les lieux et les personnes qui sont capables de transformer le monde ne sont pas toujours à l'endroit où on pense. C'est-à-dire que si vous prenez des lieux français très connus, comme Notre-Dame-du-Lot au XVIIe siècle, on peut prendre Notre-Dame-de-Lourdes au XIXe siècle, qui est un autre lieu et une autre personnalité. On voit bien que la force, on pourrait dire la force de surprise et de déstabilisation du message vient aussi de la raison que ça sort d'un endroit où on ne s'y attend pas et d'une personne dont on ne s'y attend pas. Voilà. Aujourd'hui, eh bien, dans un monde qui est souvent polarisé sur des personnalités vedettes ou sur des lieux vedettes, de découvrir que des forces qui ont pu changer le cours de la vie des gens se sont dégagées dans des lieux inconnus et de personnes inconnues, c'est un message très important.